Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous avez passé une magnifique semaine, une excellente semaine. J'espère que votre moral est bon. J'espère que vous avez repris un petit peu des activités physiques, le sport. Voilà, j'espère pour vous. On a tous pris un petit peu de poids avec le confinement, ne rien faire, la bouffe, voilà. Donc ce qui est important, c'est de retrouver son activité physique de prédilection. Moi, c'est la boxe thaï. Donc. Aujourd'hui, on va voir comment appréhender la distance pour attaquer, contre-attaquer ou carrément même contrer avec le coude. On va voir ça tout de suite. Trouver la bonne distance du coup de coude. Alors, d'une manière générale, les coups de coude se font en corps à corps et en courte distance, à mi-distance, ok? Donc il faut trouver la bonne distance pour le coup de coude. Sachez par ailleurs que le coup de coude dans la boxe thaïlandaise est très utilisé dans les petites catégories comme dans les grosses et grandes catégories. En Thaïlande, c'est un coup, c'est une technique dévastatrice. Ce qui est important, c'est de trouver, bon, bah, comme d'habitude, le bon timing, hein, le bon moment pour placer son coude. Mais ce qui est important surtout, c'est la distance. On va frapper avec la pointe du coude. Mais la pointe du coude, ce n'est qu'à partir de l'épaule jusqu'à la pointe du coude qu'on utilise le coude. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la distance, c'est une distance restreinte. On est obligé de s'approcher ou alors, bien entendu, travailler en compte si votre adversaire se jette sur vous. Ce qui est important, c'est de trouver la bonne distance au bon moment. Ça s'appelle l'efficacité forcément, mais trouver la bonne distance. À quelle distance je peux mettre mes coups de coude? Quels sont les coups de coude qui sont les plus utilisés? Le coup de coude le plus utilisé, ça va être... En général, c'est le coup de coude circulaire, hyper utilisé. Très souvent, on est là, encore à corps, hein, très souvent, et là, boum, hein, ça rentre en coup de coude comme ça ici. Ça, c'est le coup de coude le plus utilisé. Il y a le coup de coude très utilisé, celui qui monte légèrement, une espèce d'uppercut comme ça. C'est lorsqu'on travaille encore à corps, mais pas uniquement. Ça peut être aussi en contre simultané, en contre-attaque. Je vous montre, par exemple, Noam ici, il va mettre un middle. Là, je vais venir bloquer et je vais rentrer tout de suite en contre. Tout de suite avec le coude. Ou alors, il met un middle ici, je vais venir décaler. Et là, je vais venir monter. Je vous remontre. Là, il m'envoie un middle. Et là, je vais venir monter le coude au niveau du visage de l'adversaire. Alors, là, ce qui est important, c'est de viser les parties les plus fragiles du visage. Rappelez-vous, la pointe du coude, le coup de coude, lorsque le bras, lorsqu'il est plié, c'est l'arme la plus solide du corps humain. C'est même carrément une arme, hein. C'est vraiment parce que c'est hyper dangereux, hein. Ça coupe, ça ouvre, ça met des chaos terribles. Donc ici, bonne distance, main directe du gauche, là je chasse, je suis loin, main directe du droit, je bloque, je suis loin, vous voyez, à chaque fois je vais être loin. Ce qui est important, c'est d'anticiper, par exemple une main directe du gauche, là, je, boum, et là je rentre. Je peux même faire un revers, ok? Il me fait un middle, pareil, je peux rentrer ici en retrait, en coup de retourné. Anticiper, l'important c'est de trouver la bonne distance, mais la bonne distance elle est à mi-distance ou à très très courte distance ou carrément. Et là, pour le coup, c'est le corps à corps. Quand on est en corps à corps, on peut utiliser le coude directement, sans faire appel, sans appui, sans déplacement, sans rien, ça part direct. On lui met des coups de poing qui vont servir à rien. Moi, j'ai déjà vu des mecs en corps à corps, ils sont tellement mauvais qu'ils mettent des coups de poing. Ça sert à rien, il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de force, puisqu'on travaille uniquement avec le poignet. En revanche, là, avec le coude, tout de suite, bam, on rentre ici, même en corps à corps, je suis là, bing, j'envoie la pointe, bam, ici, bam. Moi, je me rappelle lorsque Skarboski, mon élève, avait boxé au Cambodge, est en train de gagner contre Ebutong. Et à la quatrième, fin de la quatrième reprise, Ebutong, il lui a mis un coup de coude ici. Ça lui a fait saigner le cuir chevelu. Aucune force, mais comme c'est une arme. Une arme, j'ai envie de dire une vraie arme. Donc forcément ça va venir couper, ça va venir faire des ravages tout de suite. Et genre, il y a des champions qui sont de redoutables attaquants de coude. Par exemple, il y a le français qui habite en Thaïlande, s'appelle Rafik Boik, qui est un extraordinaire combattant, un spécialiste du coude. Mais il n'y a pas que lui. Hein. On a eu Jean-Charles Skarboski qui était très fort avec les coudes. Et on a eu Bouganem qui est très fort avec les coudes. Donc... c'est important de trouver la bonne distance. Lorsque vous êtes à bonne distance avec le coude, là vous avez une arme dans vos mains, j'ai envie de dire dans vos mains, qui est le coude, une arme terriblement efficace. Donc rappelez-vous, ce qui est important c'est d'utiliser le coude courte distance, corps à corps, mi-distance. Après on peut surprendre de loin, on est là,
Il met un low kick, j'esquive par exemple, et là tout de suite, il va venir rentrer. Hein, il m'envoie un middle, j'apprends, boum, boum, là je rentre. Je peux, hein, ça. Je peux même ici, m'envoie un middle, ping, boum, et là je peux rentrer. Ça oui, bien sûr. Mais vous avez vu, à chaque fois, je suis obligé de me rapprocher de mon adversaire. Merci, Noam. Merci, papa. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mamad et moi, on a été ravis de faire cette vidéo une fois encore. Ça fait à peu près 140 et quelques vidéos qu'on fait. Et ce, tous les dimanches, c'est un plaisir pour nous de faire cette vidéo et de la partager avec vous, puisque hein, voilà, c'est, on partage un plaisir qu'on a en commun, une passion qu'on a en commun, la boxe thaïlandaise, le Muay Thai. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, voilà, n'hésitez pas à en parler avec vos amis. De toute façon, on parle de boxe et ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente journée. Profitez au maximum, gardez la patate, restez toujours positif, c'est très important. Quand on est positif, on est bien dans sa vie. Et rappelez-vous, moi je fais de la boxe pour être heureux. Voilà, donc ça me rend heureux. Moi, taille mon vôtre.